L'hymne à la joie, la cour du Louvre. Nous sommes le 7 mai 2017, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps. Emmanuel Macron vient d'être élu plus jeune président dans une démocratie moderne. Emmanuel Macron a déjoué bien des pronostics. Il n'a pas écouté la doxa. Et il a cru en une chose très simple, mais incroyablement puissante. Rien n'est jamais écrit à l'avance. Emmanuel Macron est un homme. Mais des filles et des femmes extraordinaires ont cru aussi que rien n'était jamais écrit à l'avance. Je vais les inviter ce soir. J'ai lu des milliers de biographies, donc je connais les détails de la vie de milliers de gens. Alors invitons-les. Début du XXe siècle, Marie Curie, un prix Nobel, puis deux, pour ses travaux sur la radioactivité. 40 années plus tard, vous êtes dans un bus bondé, il fait très chaud, et il y a une femme noire qui est là. Elle a très mal aux jambes, et c'est pour ça qu'elle va dépasser les frontières de la Convention et refuser de céder sa place à un homme blanc. C'est Rosa Parks. Elle donnera le coup d'envoi au mouvement de protestation en faveur de l'égalité ethnique et au grand discours de Martin Luther King, « I have a dream ». Quelques années plus tard, le monde est ébahi devant Neil Armstrong, qui marche sur la Lune. Mais c'est Margaret Hamilton, une femme dans son équipe, qui a travaillé sur le programme Apollo. Extraordinaire, elle a traversé les frontières de la matérialité. 6 ans plus tard précisément, nous sommes à l'Assemblée nationale française. Simone Veil, ministre de la Santé, dépasse les frontières de la calomnie et de l'agressivité pour faire voter la loi en faveur de l'avortement. Et enfin, il y en a bien d'autres, mais je pourrais vous parler de Malala Yousafzai, qui a risqué sa vie contre les talibans en faveur de l'éducation des filles et des femmes et qui a été prix Nobel de la paix à 17 ans, en 2014. Ces femmes, elles sont connues et elles ont de la puissance. Mais l'anonymat, ça n'est pas une maladie contagieuse, ça n'est pas un soupirail, ça peut être un tremplin. Et tous les jours, des filles et des femmes, connues ou moins connues, changent le monde, traversent les frontières et vont vers leurs désirs. Mais qu'est-ce qui fait que certaines d'entre elles sont comme ces enfants virevoltants qui désirent leurs rêves et rêvent leurs désirs et que d'autres n'y parviennent pas? Quelles sont ces frontières que l'on n'arrive pas à surmonter parfois? Je voudrais vous raconter 3 histoires. La première, c'est celle de la petite Lila. Elle a 10 ans, et moi aussi. Nous sommes près d'une cité dans la banlieue nord de Montpellier qui s'appelle Phobos. Phobos n'existe plus. Mais à l'époque, c'est un grand terrain vague, plein de poussière et de pauvreté, plein d'édifices, avec une immense citerne que je revois là ce soir avec vous. Lila est dans ma classe, et un jour, moi, j'habite les villages autour. Alors, je ne sais pas ce qui se passe à Phobos. Alors je meurs d'envie, je lui pose cette question. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe à Phobos? Qu'est-ce qui se passe derrière ces murs et ces frontières? Et elle me répond d'un air très grave, hein. C'est pas facile tous les jours. Mais elle ajoute aussi, mais qu'est-ce que ça change au fait? Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce qu'à ce moment-là, Lila, elle est prisonnière de la frontière sociale. Elle est prisonnière de ce que sa vie, de ce à quoi sa vie ressemble. Mais elle a une chance. Le ballon rond. En 98, la Coupe du Monde arrive, notamment à Montpellier, avec Zizou et ses copains. Et avant, on refait Phobos. Elle change de maison, elle change d'état d'esprit, elle se met à lire des livres, des romans, des poèmes, love for livre, l'amour des livres. Et ça va lui permettre de faire cette chose incroyable, ça va lui permettre de dézipper le réel. Dézipper le réel, c'est voir sa vie en 3D. C'est voir toutes les possibilités romanesques qui nous sont offertes. C'est voir par-delà les frontières du réel qui nous entourent. Elle dézipe le réel, elle décide de faire du théâtre. Elle deviendra d'ailleurs, elle est aujourd'hui, une grande comédienne. Et à ce moment-là, je lui demande comment elle a pris cette décision. Et elle me dit, d'un air très calme, « Mais une fois que j'ai dézipé le réel, je me suis rendu compte d'une chose simple mais qui m'a guidée. Le pire n'est jamais la fin de rien. Mutatis mutandis. » Tout est toujours en mouvement. Et comme rien n'est jamais écrit à l'avance, on a le droit d'aller vers ce mouvement. On a le droit de traverser les frontières. La deuxième histoire, elle me brise encore le cœur quand j'y pense, c'est celle de Samira Bellil. Samira Bellil, c'est une éducatrice qui a été victime de viols collectifs en Réunion pendant des années. Je rappelle qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon en France, pas simplement au cours d'un problème ponctuel, parce qu'on cherche à les assassiner quand elles reprennent leur liberté. Je rappelle que l'ONU, je suis engagée auprès des Nations Unies pour l'égalité envers les femmes et les hommes,
L'ONU dit qu'au cours de leur vie, les filles et les femmes, pour 70% d'entre elles, subiront des violences. Et nous sommes en 1999 dans l'amphithéâtre Boutmy, à Sciences Po, rue Saint-Guillaume. C'est un très grand amphithéâtre qui fait à peu près cette taille et auquel les étudiants s'attachent parce qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de conférences diverses et variées. Et je suis là ce jour-là par hasard. Rendez-vous compte, par hasard. Alain, dans Propos sur le bonheur, nous dit que les plus grandes choses de notre vie nous arrivent toujours par hasard ou pour des raisons inattendues. Je suis là et j'écoute d'abord d'une oreille distraite parce qu'il y a un débat sur les droits humains. Et au début, on est dans des données, des choses très doctes et très savantes. Et puis d'un coup, Samira Bellil prend la parole et elle va raconter son expérience. Mais elle va la raconter avec ses mots à elle, en plein amphithéâtre Boutmy. Elle ne va pas employer des mots châtiés, des mots sophistiqués. Elle va raconter la violence. Elle va raconter la violence comme si vous aviez des poignards qui venaient sur votre corps. Et à ce moment-là, elle fait quelque chose d'incroyable. Elle crée un malaise tel que des gens quittent la pièce. Et elle met chacun de ses pieds des deux côtés de la frontière. Elle nous dit, en parlant de la violence qu'elle a subie, qu'elle a été capable de mettre un point, qu'elle a retrouvé sa liberté. Et en même temps, ça n'est qu'un point virgule, parce qu'elle ne nie pas la part d'ombre. Elle ne nie pas ce qu'elle a vécu avant. Elle sait que diviser sa vie, ça revient à se diviser soi-même. Samira Bellil est morte en 2004 des suites d'un cancer. Elle était éducatrice. Et j'aimerais vraiment qu'elle ne soit pas oubliée. Rien n'est jamais écrit à l'avance. Et on a tous nos points virgules, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et toutes ces parts font partie de notre récit personnel et intime. La troisième histoire, c'est l'histoire de Marguerite. C'est une amie de ma famille, une vieille dame, qui est désormais partie chatter avec le ciel. Elle était extrêmement solaire, provençale. Et je pense à cette phrase de Camus que je trouve magnifique. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Elle était comme ça. C'était un été invincible. Et c'est d'ailleurs en été, l'été de ses 20 ans, qu'elle rencontre à Grasse, où elle habite à l'époque, John. John, c'est le fils d'Américains fortunés qui vient passer l'été à Grasse. Il y a l'odeur des grillons, le parfum du jasmin. Et puis dans cet été incendiaire, ils vont s'aimer. Ils vont s'aimer très fort. Et puis, ils ont 20 ans. Et à 20 ans, on ne sait toujours pas quoi faire de ces sentiments. Parfois, ils nous embarrassent, même si on sait qu'ils sont là. Donc John repart de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis elle se met à l'attendre. Et au début, cette attente est insoutenable parce que c'est une attente où elle est dans le contrôle. Et puis petit à petit, elle va rentrer dans la maîtrise. Elle va rentrer dans quelque chose de plus doux. Et à ce moment-là, elle pense à ces phrases magnifiques de Rilke dans « Lettre à un jeune poète ». « Vous êtes si neuf et si jeune devant les choses que je voudrais vous inviter à être patient devant ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Aimez vos questions comme des livres écrits dans une langue très étrangère, comme des portes fermées. Aimez vos questions parce que si des réponses vous étaient apportées à ce moment-là, vous ne pourriez pas les vivre. » Or, il s'agit de tout vivre. Et parce que vous vivrez tout, un jour insensiblement, vous entrerez dans la réponse. À ce moment-là, elle comprend et elle me l'a dit qu'elle n'était pas propriétaire de sa vie, qu'elle était dans une vie pour créer des moments. Et puis, il se passe à nouveau une chose extraordinaire. Elle rencontre le Kairos. Alors le Kairos, c'est génial. Le Kairos, figurez-vous que c'est un petit dieu ailé dans la Grèce antique, avec une touffe de cheveux. Et le Kairos, ça n'est pas Chronos, ça n'est pas le temps linéaire, celui de votre montre. C'est celui qui vous ouvre une porte vers une autre perception de l'univers. C'est le temps de votre cœur, c'est le temps de votre ressenti. Le Kairos, parfois, il passe et on ne le voit pas. Parfois, il passe, on le voit et on n'arrive pas à le saisir, pour mille raisons d'ailleurs. Et puis parfois, il passe et on le saisit. Et 20 ans après la rencontre avec John, elle est devenue psychologue et elle est invitée à Boston pour faire une conférence. Elle m'a dit avoir longuement hésité avant d'accepter. Elle avait un livre à écrire, elle avait des choses à faire. Et d'autres vies auraient pu être la sienne. Mais elle finit par accepter cette proposition. Elle est dans la salle de conférence. Et là, au troisième rang, précisément, là où vous êtes, en comptant deux, m'a-t-elle dit. Elle voit qui ? Elle voit John. John est psychologue et il est peintre. Et ils se retrouvent. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que le temps n'a pas de prise sur les émotions véritables. Le temps, c'est comme une symphonie au fond. La vie prend son sens avec ce temps-là. Parfois, l'attente nous est insupportable, mais on doit aimer cette vie en confiance et ne pas la consommer avec une impatience qui, de toute façon, nous fera perdre le Kairos.
Ils risquent tout, ils changent de vie, ils osent vraiment parce qu'on sait que l'on ose à ce que l'on est prêt à perdre. Le kairos, le tapis volant, formidable. Dézipper le réel, considérer les points virgules. Écoutez le kairos, sachez qu'il existe. Vous avez maintenant quelques ingrédients pour ne pas vous laisser écrire votre histoire, pour l'écrire vous-même. Et on va essayer de le faire tout de suite. Vous allez fermer les yeux. D'abord, vous dézippez le réel à votre rythme. Vous voyez votre vie en 3D, en 4D, en 5D, en 10D. Vous voyez toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous, tous les chemins que vous voulez visualiser. Puis vous intégrez vos points virgules. Vous avez eu vos tourments, vous avez eu vos parts d'ombre et vous avez retrouvé votre liberté, vous avez mis des points. Et puis des virgules. La virgule, c'est ce qui vous permet de ne pas oublier, de ne pas retrancher et de vous dire que dans votre récit, il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Et enfin, pensez très fort à ce que vous voudriez avoir de plus cher et que vous n'avez pas encore. Pensez à votre kairos. Ça n'est pas grave si ce n'est pas un petit dieu ailé avec une touffe de cheveux. Imaginez-le comme vous le souhaitez, sous la forme que vous souhaitez. Faites-lui confiance. Quand dire, c'est faire. Il viendra. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux et vous avez un petit bout de votre nouvelle histoire. Frontières mentales, frontières sociales, frontières culturelles, frontières psychologiques. Je n'oublie pas néanmoins ce soir qu'à Alep et dans d'autres villes du monde, il y a des gens qui sont obligés de traverser des frontières pour sauver leur peau, pour sauver la peau de leur famille. Ça, je ne l'oublie pas. Il y a des frontières qu'on n'arrive pas à traverser, quelle que soit notre volonté. Mais il y a aussi des frontières, comme ces femmes que j'ai invitées ce soir avec nous, que l'on peut traverser, que l'on doit traverser, parce qu'elles nous amènent vers nos vrais rêves. Et ça me rappelle ce magnifique poème de Lamartine qui était sur une carte que mes parents adoraient, m'avaient acheté une carte postale que j'ai perdue dans un train. Mais j'ai gardé Lamartine. Le livre de la vie est le livre suprême, qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix. Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois, mais le feuillet fatal s'y tourne de lui-même. On voudrait revenir à la page où l'on aime, mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. La vie va vite. Alors ce soir, je dis à toutes les filles de France et de Navarre qu'elles peuvent courir vers leur vraie vie et traverser leurs frontières. Mais à vous aussi, messieurs. Parce que c'est ensemble que nous construirons un monde meilleur. Et ça, nous pouvons l'écrire à l'avance.